Blanc qui va pouvoir jouer vers Rémi Sergio qui va la remettre à Maxime Blanc. Le centre de Maxime Blanc. Deuxième poteau vers Quentin Lacour qui peut la ressortir. Ngaï, oh la parade! Oh la parade exceptionnelle du gardien de l'Entente Sannois Saint-Gratien, incroyable! Maxime Blanc qui va pouvoir jouer vers Rémi Sergio. La frappe de Rémi Sergio! Quentin Lacour qui va changer le jeu là-bas vers Tom Perassino. C'est plutôt bien joué de la part de Lacour. Tom Perassino qui a pu contrôler ce ballon. Le centre de Perassino vers Brighton Labo! Oh, il s'était élevé plus haut que tout le monde là, Brighton Labo! Tom Perassino, le centre de Tom Perassino. Il y avait du monde, c'est sorti finalement. La reprise de Rémi Sergio! Oh, la tentative! Allez, le ballon il est récupéré là par Brighton Labo. Brighton Labo en face à face! Et l'ouverture du score! Pour les Caladois! Et voilà comment ils voulaient finir en beauté! Brighton Labo, et ben sur un face à face face à Sébastien Raffos. Et c'est la mi-temps ici du côté du Stade Armand Chouffé. 1-0 en faveur de l'équipe de Villefranche sur cette réalisation de Brighton Labo. Le corner dans quelques instants. Rémi Sergio qui va le frapper. Second poteau vers Quentin Lacour. Oh, ça va passer juste à côté pour le capitaine. Et Philopon qui est bien avancé, tiens, qui peut le ballon qui peut être joué avec Gérant. Gérant qui va essayer d'aller provoquer le centre de Gérant. Il était tout seul et l'égalisation de Sannois Saint-Gratien sur ce bon ballon de Gérant. L'égalisation sannoisienne à l'instant même dans la cour des grands. Aujourd'hui, Madar en tant que titulaire et Ratigné qui va rentrer pour le dernier quart d'heure. Rémi Sergio, tentative de Rémi Sergio. Oh, ça va rentrer! Oh, le but de Rémi Sergio! La belle tentative et le deuxième but pour Villefranche-sur-Saône. Raffo, c'était trop court. Et Rémi Sergio qui va saluer son staff. Le corner qui va être frappé dans quelques instants par les Sannoisiens. Le ballon de la tête, il y avait du monde. Deuxième poteau, il y a l'égalisation. L'égalisation de Jonathan Nsondé. Deux buts partout entre l'Entente et Villefranche. On vous avait promis un match ouvert en but. Et bien Nsondé vient égaliser. Et c'est terminé. On termine sur un deux buts partout.